Chers collègues, au mois de mars, on célèbre la Journée internationale de la femme et c'est l'occasion pour nous de remettre en avant notre nouvelle stratégie genre, hashtag WeForHer. WeForHer, parce que ce n'est pas uniquement une affaire de femmes, c'est notre affaire à tous, c'est l'affaire à tout le monde, tous nos collaborateurs et collaboratrices sur le terrain, tous nos partenaires, pour avoir une stratégie complète, que ce ne soit pas uniquement un hashtag ou uniquement le mot genre qui soit inséré dans la stratégie, mais vraiment que ce soit quelque chose de vivant. Pour moi, le genre est vraiment dans le DNA de la stratégie d'Enable et je suis d'ailleurs très fier de travailler pour une organisation qui met le genre autant en avant. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices qui ont travaillé sur cette stratégie et surtout toutes les études qu'on a déjà pu réaliser. La nouvelle stratégie permettra de capitaliser là-dessus. Ce n'est pas uniquement une stratégie, comme je le disais, ça doit être dans notre DNA et c'est pour ça qu'on a mis sur pied un groupe de travail, un comité de pilotage, le Gender Steer Group, que je préside et je suis très fier de le présider et dans lequel sont représentés l'ensemble des directions au plus haut niveau. Ce groupe de travail ou ce comité de pilotage rapporte au conseil d'administration qui porte aussi une attention particulière. Je tiens aussi à remercier le rôle des ambassadeurs. On a désigné des ambassadeurs à différents niveaux qui représentent aussi l'ensemble de l'organisation et qui auront un rôle de coach pour nous accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie. On recherche encore des ambassadeurs sur le terrain et j'invite toutes ceux et celles qui sont intéressés à se joindre à nous. Voilà, je souhaitais vraiment mettre l'accent sur cette stratégie et remercier l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices qui y travaillent.